C'est un appui considérable que vient de recevoir ces jours les cliniques universitaires de Kinshasa. Des kits médicaux, dont des Standard Bank, pour la prise en charge de malades atteints de COVID-19. Cette institution bancaire qui a répondu à l'appel du CIK a procédé à la remise officielle de ces dons aux cliniques universitaires de Kinshasa constituées des lits, des oxygènes et des médicaments. La banque a aussi pensé aux vivres et aux non-vivres, non seulement pour les malades mais aussi au personnel soignant. Avec la remise de ces nouveaux appareils et équipements, l'institution bancaire reste fidèle à sa nouvelle devise « C'est possible ». Pour ces gestes, combien louables, elle vient contribuer à l'amélioration des conditions et de la qualité des prises en charge de malades atteints de la COVID-19, a précisé son directeur général. Donc lorsque nous avons regardé l'ensemble des hôpitaux dans la capitale, nous avons constaté que cet hôpital en particulier avait des besoins qui, pour nous, étaient beaucoup plus urgents et beaucoup plus nécessaires, sans dire autant que les autres n'étaient pas nécessaires, mais nous avons pensé que cet hôpital pouvait vraiment bénéficier de notre contribution. Pour sa part, Robert Makolo remercie la Standard Bank pour ses dons, qui va à coup sûr apporter une nette amélioration. Nous remercions Standard Bank pour ses gestes de solidarité envers le patient souffrant de COVID-19 soigné aux cliniques universitaires de Kinshasa, geste qui répond à l'appel à la solidarité nationale lancé par les chefs de l'État. Bon, comme vous savez, c'est depuis 6 mois qu'il y a la COVID au pays. On s'attendait à une catastrophe au niveau national. Le pays a survécu. Nous avons survécu grâce à la solidarité des uns et des autres. La Standard Bank, présente en République démocratique du Congo depuis 1992, fait partie du groupe Standard Bank, la plus grande institution financière en Afrique en termes de capitalisation boursière.